Aujourd'hui, sur les éléments qu'on a, à peu près 70 000 cyclistes empruntent la Loire à vélo. Et notre intérêt était non seulement de les faire découvrir la Loire à vélo, mais aussi de s'arrêter sur notre commune, puisque souvent, ils filaient tout droit. L'objectif aussi de mettre en place ces équipements était de les faire découvrir la commune, de s'arrêter sur Saint-Julien et de venir jusqu'au plan d'eau du Chêne où nous sommes actuellement, sur lequel ils puissent avoir des services, un camping qui peut les accueillir, un restaurant, des tables de camping pour se poser ou des aires de jeu pour les enfants. Le bénéfice pour la ville est vraiment très important pour nous puisqu'il permet de faire découvrir notre territoire, de tout ce qu'on peut proposer puisqu'on est entre la Loire et le vignoble, et faire le lien surtout entre la Loire à vélo, le plan d'eau du Chêne, les marais de Goulaine qui sont des sites merveilleux à découvrir à vélo. Ce dispositif renforce l'attractivité du territoire. On peut découvrir effectivement tout le patrimoine de la ville de Saint-Julien-de-Concelles. Dans ce dispositif, vous retrouvez trois niveaux. Tout ce qui est hébergement et proposition sur le territoire, y compris le camping du plan d'eau des Chênes, les chambres d'hôtes. Vous trouvez aussi tout ce qui est restauration, commerce de proximité, mais aussi tous les événements locaux que vous pouvez découvrir sur la commune. L'intérêt d'avoir ce type d'équipement, ça invite à la pause déjà, à la halte, parce qu'on est toujours friand quand on est en itinérance de pouvoir se poser et de pouvoir répondre à ses besoins d'arrêt sécurisé, d'une petite réparation, de charger sa batterie puisque ce matériel le permet également, et puis surtout de découvrir toutes les informations du site. Parce qu'aujourd'hui, les cyclotouristes, ils veulent avant tout voyager de façon intuitive, le plus simplement possible. Et ils ont bien sûr des guides, il y a des guides détaillés, mais un guide papier ou même un guide en ligne n'a pas toujours la même actualisation que toutes les informations que j'ai découvertes sur le panneau qui est derrière moi. Donc ce type de matériel permet une actualisation, je dirais quasiment au jour le jour, et d'être complètement attractif sur l'offre locale. Alors, le dispositif constitue un atout pour le tourisme local dans la mesure où il n'y avait aucune infrastructure existante jusqu'à ce jour. Donc on est un peu innovant grâce à l'UmiPlan avec ses stationnements vélo. Et on pense qu'avec la saison qui arrive, saison touristique, les touristes, cyclotouristes en feront très bon usage. Je suis moi-même voyageuse à vélo et je dois dire que effectivement ce genre d'équipement sur un parcours est quelque chose de très très intéressant, et déjà toutes les communes qui se trouvent sur des parcours de grande fréquentation devraient regarder de très près cet équipement.